En quelque sorte, avec un double jeu, c'est-à-dire qu'un arbre mort n'est jamais mort, oui. Parce qu'il est toujours source de vie. Des tiroirs un peu comme un coffre-fort, ça fait un appel souvent, immédiat avec le Crédit Agricole. Je voulais qu'il y ait ce lien, peut-être un peu fraternel. Ici, on est aujourd'hui sur un début, et donc cet arbre qui est mort, mais qui est aussi la promesse de quelque chose, moi, je veux y voir le début de ce partenariat, et d'un partenariat qu'on va essayer de faire vivre de notre côté, en tout cas. Faire sortir comment la culture de la simple enceinte de Bonlieu, la faire partager à tous les Annéciens et à tous ceux qui passent dans ces jardins de l'Europe. Et puis une œuvre, moi, que je trouve très symbolique, hein, très ancrée dans la terre comme le Crédit Agricole et qui part vers le ciel avec des tiroirs qui s'ouvrent sur un avenir dont on voit qu'il est plutôt vert, et ça c'est encourageant. Je pense que c'est une très bonne façon d'approcher l'art contemporain à des gens qui peut-être n'ont jamais imaginé de regarder. Nous, on a fait les visites, tu sais, scolaires. Il y en a plein qui veulent glisser les petits mots dans les tiroirs. Ah bon ? Oui. Ils se trouvent face à face à un travail qui leur pose question. Et finalement, c'est ça ce qui est le plus intéressant. S'approprier le travail, lui donner l'interprétation qu'eux souhaitent. Je suis comme un père, son fils ou sa fille ne lui appartient pas. Mais il en est quand même le géniteur en quelque sorte.